Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouions la Prusse, dans lequel nous jouions la Confédération de l'Allemagne du Nord, voilà, ça passe mieux dit comme ça, et dans lequel nous jouons l'Allemagne. Je vais vraiment arrêter de faire cette intro, c'est compliqué. Surtout quand je ne sais pas parler. Alors oui, on était en guerre. On a le Danemark là qui se faisait un peu poutrer, le pauvre. Et on était en train d'annexer. Non, pas annexer. Faire devenir fantoche la Moldavie. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Impeccable. Et on est en train de taper sur nos voisins de l'Est aussi. Enfin, c'est eux qui ont voulu se taper, hein, c'est pas nous. Nous, on est pacifiques. Ah oui. Et on a essayé de juguler le printemps des peuples. Oh la vache, les industries, ils sont pris double printemps des peuples, là. Ouh. Ça picote. Hop là, un bon petit débarquement qui marche bien, là. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Bâtiment avec structure en acier. Ça peut être très intéressant, mais au niveau du solde, c'est un peu limite. Mais encore? Ah, et encore les mêmes? Ah ouais, bah... Ah ouais, c'est... Ah, ils sont pris un bon moins 12, là. En pas longtemps. Purée. Ah bah, ça picote, hein. Ça picote très beaucoup, hein. Commerce public, cuirassé, oui, tout ça, faut que je le change aussi. Tiens. Qu'est-ce qui a bougé tout seul? Ah, d'accord! Ah, oui, c'est bon, ok. Ouais, pas de soucis, les gars. Là, voilà, là, on aide notre voisin danois. Ça fait deux fois. Un révolutionnaire en avance pour notre temps. Donc, on est à moins 16. On est à moins 16 en... on est à moins 13 en... En 2 minutes 30 de vidéo, sans compter l'intro. C'est compliqué, là. Ouais, ça va vraiment devenir compliqué, là. Oui, caoutchouc, c'est bien. Oh la vache, moins 16 en 2 minutes 30 de vidéo, mais... Ouais. Ouais. C'est compliqué là, monsieur. Vous pouvez arrêter votre blague, s'il vous plaît? Bon, au moins, les finances remontent. D'ailleurs, en parlant de finances, on va fabriquer des trucs. Des trucs. Quoi, je ne sais pas, mais des trucs. J'importe encore du bois. Ça doit être fini, ça. Alors. J'ai pas le choix, je suis obligé de l'importer d'Afrique. Hein. Ça m'énerve un peu parce que je préfère garder les ouvriers, les gens qui peuvent y travailler pour des ressources plus importantes. Mais bah là, c'est tellement en déj de bois que j'ai pas trop le choix. Ok. Les Ilioniennes, j'ai pas le temps pour vous, désolé les gars. Oui. Union douanière, on n'a pas assez, dommage. On s'en fiche. Assujettissement en colis, ok. Futatoro, ok. Alors, clipper, moteur. Oui, moteur, c'est mieux. Moteur, j'en exporte. Normalement. Ah non, d'accord, oui, c'est parce que les moteurs, ils sont en cours de recrutement. Ok. Et du verre, dans ce cas. Hein, pour que ça se mette à jour, s'il vous plaît. Ouais, le verre, il est à Brandebourg, je crois. Ah, mais... Si j'ai des faibles accès au marché, bah ça va pas marcher.
sans vouloir faire de jeu de mots, bien évidemment. Ok, si j'en ai 20 quoi, ça c'est bon. Faire... Ah, j'exporte pas. Ah, très peu. On va faire du charbon alors. En Galicie. Hein. J'ai tellement pas de... J'ai tellement pas des paysans, d'ouvriers, c'est... Sans emploi, ouais, j'en ai 18 millions. Ouais, j'en ai en fait, mais c'est juste qu'ils sont quelque part, je sais pas trop où. Je sais pas où ils sont, mais y'en a. C'est fou quand même. Ok, on a bientôt fini. Avec le Danemark, encore. Oh non, dis-moi que c'est pas les. Oh. Ils sont en moins 7. Ils sont... 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, ils sont en moins 20 en tout. Je me suis pris à moins 20 d'industriel. Au moins. Le Danemark va me, doit me m'aimer plutôt pas mal. Ça va. Parce que je les ai quand même beaucoup aidés. Ah, on est neutre avec eux. Ouais. Oui. On va voir au niveau des lois. Qu'est-ce que je peux faire passer? Mais regarde, ils veulent la monarchie en plus. Ils veulent pas autre chose. Oh, mais franchement. Okay. Censure. Ouais, j'aurais bien fait une petite dissidence illégale. Police secrète. J'ai vraiment besoin de police secrète, mais. Je peux pas. Tout le monde va être radicalisé, quoi. Hugo machin, pourquoi tu es radical, mais pourquoi tu es radical? Vous êtes tous radicaux, c'est quoi ce bazar? Comment ça, vous êtes tous radicaux là? Non mais... On va les faire disparaître les radicaux. Expire de rade dans 9 ans, et c'est encore 9 ans de ça. Oulalalalalalala. Nous vaincrons la révolution. On va tout faire pour. On peut-être dans les problèmes internes qu'auront la peau de l'Allemagne, hein, honnêtement. Bah, c'est tellement compliqué. Pourquoi là? Oui. Je peux faire encore plantation de teinture. Ouais, Delta du Niger, je peux en refaire là, là aussi. Là, c'est du sucre qu'il me faut, hein. J'ai l'impression, je crois que le sucre j'en importe en plus. Ah non, même pas. Ouais, genre, oh là. Ouais, bon, on va faire du sucre. J'ai pas vu, mais ça commence à être un peu la dèche. Pourquoi je peux pas faire de plantation de sucre? C'est quoi cette blague? Ouais, plantation de canne à sucre. Mais tac, tac, tac et tac, voilà. 40 plantations de canne à sucre. Ça devrait, je dis bien devrait. Juguler un temps le problème. Alors, 99,2%, voilà, prochain calcul. Donc, on a libéré la Pologne, l'Estonie, la Biélorussie, et on lui a encore fait un bon coup au moral, je crois, parce que ça, 6 millions de pays, 6 millions d'habitants, 3 millions 6 PIB, 4 millions d'habitants, 3 millions 6 de PIB, 1 million d'habitants, bon, ça c'est moi. Mais si on regarde, on voit pas encore la chute de population. On va avoir la bonne chute de PIB là. Le conducteur courageux. Syndicat de travailleurs.
Le chef est radical. Oui, t'as l'esprit vif, c'est bien. En difficulté, tu m'étonnes, ils ont encore perdu beaucoup de population d'un coup. Et encore. Un sacré bout de PIB là. Septième. Attends, mais septième. Tiens, c'est marrant, c'est pas affiché la même chose. Ah, regarde, ça s'est recalculé. Non, c'était le PIB musulman. Ok. A mis fin à la rivalité. Tu m'étonnes. Ils viennent de se faire poutrer. Peut pas faire grand chose là. Malheureux, bah ouais, bah malheureux, malheureux. Voilà, puis la prochaine fois qu'il va venir, bah on lui libérera encore un petit paquet, hein? Parce qu'apparemment, il adore venir nous embêter. On a combien d'ailleurs en infamie? Ok, il nous en faut un peu moins pour faire de la Valachie un pays fantoche. Je cherche quelque chose, mais je ne sais plus ce que je cherchais. C'est pas grave. L'Oman souhaite une union douanière. Soit rejointe l'union douanière. On accepte. L'Oman, donc ce sont eux. Ils souhaitent rejoindre mon union douanière. On va pas dire non. Bien au contraire. On a mis KO avec eux, donc on va cesser de financer. Moi, je peux pas faire de protectorat, c'est pas grave. Mais ce qui fait que. Pas leur faire rejoindre l'union douanière à eux et les états de trêve. Ça, ils ont la réparation de guerre des autres. C'est marrant ça. Allez, je vais. Oh merde, je me suis trompé! Ah, mais je voulais pas! Je voulais pas du tout. Je voulais faire. En plus, je voulais vraiment, mais pas ça. Je voulais. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais. Oui, je voulais les financer. C'est même pas une blague, hein. Attends, on va les inviter dans l'union douanière, eux. Oh mince! Vraiment, vraiment, hein, c'était pas voulu, ça n'était vraiment pas voulu du tout. Mais premier degré, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. On aurait percuté. Non, dites-moi pas ça. Voilà, traite perfidre. Perfidre. Perfide. Ok, on a un an du printemps des peuples. En un an, eux, ils sont pas contents, donc purée, j'imagine pas encore 8 ans là. Mais désolé, c'est pas du tout fait exprès les états de trêve en fait. Vraiment, premier degré, je sais pas. Et mince. Oh, les financiers. Bon, ils ont renoncé. C'est. Bon, c'est toujours ça de prix. Purée, j'en loupe pas une. Du café, non, j'ai pas. Non, du vin, même pas. Bah, c'est même pas que je veux pas faire de vin. C'est que je n'ai pas de. Je n'ai pas assez pour l'instant de. Oh! Oh, Dieu! Ah ouais. Ah ouais, c'est plus que ce que je pensais. J'en importe 11 000. J'apporte 11 000 tissus. Bon. Faire des plantations de coton. En Lombardie?
Ah. On va faire 10 en Lombardie. Mais bah surtout l'élevage, j'ai pas trop le choix, je crois. Sauf si je vais dans les bâtiments, je sais pas si on a au max ruraux. Oui, bah oui, on a au max. Et voilà. Mais attends, mais c'est la première fois que je suis autant en déche de tissu que ça. Mais qu'ils ont fait, ils se torchent le cul, pardon, ils, voilà, avec les tissus, ils en font quoi là? Oh là là. Bon. Bah écoutez, il y a des endroits où j'ai des paysans, je vais pas m'en servir. Donc Wittenberg. Voilà. Mes amis de Wittenberg. Vous allez comment dire ça? Vous allez avoir pas mal de pâturage quoi. Vraiment beaucoup. Une vie. Oh, regardez. La Finlande radicaliste. Alors, on va les aider. Juste comme ça, ils seront. Ils seront pas aidés. Même... Ah non, je peux pas les aider. Oh zut. Oh zut. Bon bah, on va déclarer la neutralité. Flûte. Je peux pas encore les aider. La Birmanie a une obligation envers nous. Déjà? Ah! Hop. Merci les gars. Je peux incorporer un nouvel état. Oh bah tiens, là ça se... Ouais, fortement. Comme d'hab. Stab to la goule. Faible accès au marché. Ça, ce sera bon. Opium. M'en fous, j'en ai pas besoin. Toujours de l'agitation en Westphalie. Je sais pas ce qui se passe en Westphalie. Ils se font virer, ils se font. Ah mais je suis sûr c'est à cause de ça. Tantôt il est bien, tantôt. Ouais, c'est les. Je vais les subventionner les usines de. Les usines de. Oui mais non, effectivement, c'est pas dangereux. Les usines chimiques, je vais les subventionner parce que ça fout le caca. Également. J'ai toujours pas les technologies. Si, j'ai les technologies pour les navires à vapeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que toi, je te change en cuirassé. Toi, non, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Bâtiment. Bâtiment urbain. Urbain. Toi, je te change en cuirassé. Et j'en prends. Et je prends un port. Ou deux, on verra par exemple ici. Plus 75, et là si je fais ça, attends que ça se recalcule, tranquille au bilou. Plus de défense, c'est parfait, ça c'est un endroit propice. Ah ouais, quand même. Ah, il m'en faut 300 200 ah oui. Oh, oh bah, écoute. Les gars, vous allez tous passer en... Ah, peut-être pas tous non plus. Oh non, clairement pas tous même. En Pornamini, ouais. Et en Istrie, voilà. Et on va voir ce que ça va donner déjà comme ça. Le temps que ça change de production, bien évidemment. Bonne parole de la Révolution. Aïe aïe. Moins deux pour tous. Ça va, on reste potable. On reste dans le positif, on n'est pas trop dans le négatif. Les gars, là, les chantiers. Je crois que c'est des bons, moi. Hop, bon. Bien ce que je pensais, et juste en LB. On va vous. Je vais le faire passer au rang 3. Ah oui, les ports aussi, je suis bête. Tous les ports, faut que je les fasse passer en port industriel.
j'ai pas de bicyclette, donc là je peux pas. Migration suédoise, ok. Pénurie de biens ultra en clipper, m'en fous, j'en ai plus besoin des clippers. Vente commerciale improductive. Pardon? Oui, non, mais c'est normal. Ça viendra, ça viendra. Il y a du caoutchouc, Kenya. Vous avez vu ça? Attends, mais pourquoi révolution? Bon, les ruraux, ils sont à -2, ils veulent faire une révolution, c'est quoi ce bordel? Non, mais les mecs. Vous vous rendez compte de votre connerie? Mais. On aura tout vu. Bon, les junkers, cessez de renforcer. Les industriels. On va les réprimer. Ils sont un peu trop forts et ils viennent foutre le bazar. Et ça j'aime pas. Moins 12! Oh! C'est pas bon ça, hein. Ça craint. Hein. Bon, heureusement, si jamais il y a une petite révolution, je peux compter sur mon allié français. Je commence à financer au cas où. On est à 80, c'est bon. Un soulèvement autochtone, très bien. Pousser du radicalisme. En Wallonie, bon, soyez radicaux, m'en fous. Là, on va aller défendre. Friedrich, toi, si tu peux y passer, je sais pas. Oui, c'est bien. Et le prince, là, tu as gagné des... gravir des échelons, comme on dit. Hein. Graver des échelons. Ouais, 69%. Là ça baisse, c'est normal, j'ai besoin de moins de tissu avec tout ce que j'ai fabriqué, tu me donnes. Là normalement niveau bouffe. Non c'est pas là, c'est où? C'est là? Ouais, bon j'en apporte encore 10 000. Clipper, j'en ai plus besoin. Hein. Quai de pêche. Oh bah si, merde. Mais qu'est-ce que... Mais... J'ai vraiment pas... Ah c'est les ports que j'ai changé. N'importe quoi moi. Hop, voilà. Voilà, on en demande bien moins. Du coup. Ça, on en demande beaucoup plus. C'est en construction, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Vous en faites pas, les mecs, vous en faites pas. On va faire de l'acier encore, hein, par contre. Ouais. Ça y est, bah, quand t'as un soulèvement, t'en as 10. Hein. Ça, c'est fou. C'est pas grave, on va envoyer lui. Ça va aller en vrai. On a les tranchées, alors est-ce qu'on les fait passer de suite en vrai? Je sais pas, peut-être passer plus dans la prod. À moins que... Oh la vache, attends, je suis déjà à ça. Mais j'ai presque jamais développé tout ça. Mais ça va vite, hein. Ah, les technologies, là, ça va vite, hein. Batteuse. Ça peut être utile. Pour me libérer un petit peu de travailleurs. Pas mal de sans emploi, en vrai. Hein. Ah non, j'ai pas tant que ça. Oh, attends quoi, j'ai que 3 millions de paysans. Mais c'est pas un million en fait que ça, c'est des milliers. Ah ouais. Ah oui, non mais d'accord, oui. Ça le truc, c'est que j'ai très peu de paysans en fait. J'ai 3 millions de paysans, tu m'étonnes que je galérais à trouver des travailleurs. Et puis, ouais. Ah, le plein emploi bientôt. Ah, je vais vous dire les mecs, hein, moi ça va vite aller le plein emploi. Route commerciale, rien à foutre de port.
Et t'as très Veluc. Ça c'est bon, je fais mon affaire. Ça, usage, je vais devoir en faire d'autres. Voilà. On va avoir de l'immigration, c'est bien si on a du travail. En vrai, l'immigration sera bonne. Ça, je peux pas t'aider, mon ami. Ah mince. Ça passait, ça, c'est pas grave. On en produit plus, mais c'est pas encore assez. Les ruraux sèment la discorde. Moins 10 d'approbation! On va les apaiser. Déjà, ils vont quitter la révolution. Ah ouais, bah du coup, c'est les syndicats de travailleurs qui sont venus rejoindre. Attends, mais ils n'existaient pas, les syndicats de travailleurs? Ils viennent de peuple, là hein? Avec 80%, avec 10%? Ah non. Ok, bon, bah ça m'arrange pas, du coup. Bon, au moins, il y a moins de ruraux. Mais tout de suite, comment ça, les ruraux, ils sont restés là? Oh, les gars! Vous êtes à 3, là, les ruraux. Vous êtes à plus 3. Oh, vous êtes pas content encore, c'est quoi ce bazar? N'importe quoi. Aussi contre les bombas. Voilà, on va les fumer. Tranquille ou bilou. Je dis ça, mais. Ça galère ici, hein. J'ai l'impression que je l'ai pas gagné la bataille. Hein. Attends, j'en ai vraiment perdu une? Oui! Oh, j'en ai perdu une! Oh, ça me fume! J'ai vraiment perdu une bataille là? Comment ça se fait ça encore? Je sais pas comment j'ai perdu une bataille ici. Et même là, regardez. 53 de défense! Ah bah dis donc mon coco, je sais pas ce qu'ils ont bouffé, hein, mais. Attends, mais c'est pas possible. On a tout vu. N'importe quoi. Ok, on a fait 2 ans de printemps des peuples. Que 2 ans. On peut arpenter l'isthme de Suez. Allez, on a un peu de bureaucratie. Autant que ça serve. On a le demi-milliard en le demi-milliard en PIB, au moins c'est pas mauvais. Et je vais non, je voulais passer mes troupes en tranchée, mais ça va être trop cher. Ça va être trop cher actuellement par rapport à mon taux d'impôt, etc. Et heureusement que j'ai un taux d'impôt qui est bas, parce que sinon ce serait compliqué, très compliqué. Oui, je sais, Westphalie, mais encore, mais ça c'est fou. 43, mais il y a quoi? Il y a pas une répression, c'est pas possible. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont ici en fait? Mais là ils se font même plus virer. D'accord, ils se font plus virer ici. Hein. Ah non, ils se font plus virer. Mais c'est quoi leur problème alors ici? Il y a presque le plein emploi. Quarante-quatre, ça augmente ou ça baisse? 34, je veux dire, virgule 2. 34,1. Ok. 34,2. Bah ça stagne. Je sais pas, il y a un truc là dans cette région, je sais pas ce que c'est. Mais un sacré truc. Qu'est-ce qu'il me veut annexer?
suis d'accord. D'accord, faisons comme ça. Ok, bon, là j'ai toute cette région, donc on va pouvoir agrandir encore quelques colonies. Et là on possède presque, je crois, toutes les côtes même. Là on a toutes les côtes. Ce qui fait qu'on ne viendra pas nous embêter pour la colonisation de tout ça. Bon, le Portugal, mais le Portugal. Voilà, c'est pas méchant, mais. La Suède et la Norvège. Allez. La Norvège radicaliste, là. Bon. On va extraire des cailloux qui brûlent. Des cailloux qui font du feu. Mon ravi. 1, 2, tac. Ça paraît bien. Peut-être faire un peu de voie ferrée aussi. Hop, voilà. Du fer avec grand plaisir. Pareil, quelques voies ferrées. On a quand même de bons territoires. Bon, tout ça c'est pas trop peuplé, mais par là c'est très peuplé, je crois. Population de 2 millions, population 130, 300 000, 200 000, 300, 200, 400, 300, 600, 700, 500. Ouais, tout là c'est bien peuplé, peuplé, peuplé. Obligation de part de Heil, ça c'est cool aussi. D'ailleurs, voyons voir, j'en ai Birmanie, je suis à fond avec. Hein. Donc on va cesser de financer. Je peux pas faire de protectorat. Non. Ok, on est en médiocre avec les Anglais, c'est bon. Eux, on accepte le fait qu'ils soient annexés. Waouh, plus 5 d'un coup là. On peut pas incorporer encore, ok. Et là, ça va coloniser les gars, là je vous le dis. Ça va coloniser sec. Bon, on aura fait passer 2 ans de printemps des peuples. Pour l'instant, ils nous embêtent plus avec la révolution, c'est déjà ça de prix. Et on va voir, bah, on va voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Oh, oh, c'est bien ça. Pas renforcé, dommage. Élite intellectuelle, ils ont bien augmenté. Ils sont heureux, ça me va. Okay. Donc on va se laisser ici aujourd'hui pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis, les mardis, les jeudis à 11 h pour les épisodes de Let's Play, le vendredi à 15 h pour les épisodes de Let's Play narratif, et le mercredi ou le week-end de temps en temps pour des épisodes un peu spéciaux. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao!